Pierre Pardoen a côtoyé les plus grands. Bobet, Coppi, Bartali, Van Steenbergen. Le coureur Picard aurait bien aimé gagner Paris-Roubaix, mais les pavés sont traîtres. 60 ans après sa première participation, il raconte la course comme s'il y était. Sophie Crimon, Jean-Louis Crossi. Six Paris-Roubaix dans les jambes pour Pierre Pardoen, 1953, sa première participation à ce qu'il considère comme la plus belle des courses. À l'époque, elle passe par la Somme. Le peloton chasse à 43 à l'heure. Avant Amiens, Canavès, Berta et Pardoen s'enfuient. Le vent est favorable et le trio possède une avance de plus de 2 minutes. Amiens, nous sommes presque à mi-course. On est transformé quand on est sur les pavés, avec les gens dans les, sur le bas-côté de la route qui vous acclament et tout ça, c'est formidable. Paris-Roubaix, c'est incroyable. C'est la seule que j'ai trouvé des émotions que je ne trouvais pas dans d'autres courses. Voici la côte de Doullens qui a la réputation de faire la décision. Pardoen sprint devant Geminiani, Canavès et Van Steenbergen. Ah ben cette côte-là, il ne fallait surtout pas rester en queue de peloton pour être largué. Il fallait rester autant que possible en tête. Et parce que des décisions commençaient à se faire ici, dans la côte de Doullens. À l'époque, il est coéquipier de Louison Bobet, vainqueur de Paris-Roubaix en 1956. Pierre Pardoen, lui, n'en gagnera aucun, à son grand désespoir. Sur les pavés, si la tactique, la condition physique sont là, ces crevaisons répétées, elles, sont fatales. À l'époque, les coureurs réparent eux-mêmes. Une crevaison, c'est 2 minutes. En moyenne, 2 minutes pour réparer, hein, c'est assez long. Alors que maintenant, si vous voulez, en 10 secondes, les gars, ils ont changé de roue. C'est normal. Moi, je trouve ça tout à fait bien parce que ceux qui n'ont pas de chance, les crevaisons, c'est une malchance. Et ils peuvent revenir dans un peloton. Geminiani, Grosso, Pardoen, Van Steenbergen n'ont plus que quelques secondes sur le peloton. Voici l'enfer du Nord. Wartman, Piazza et Derailles ont surgi du peloton et foncent vers Roubaix. Vous savez, on est heureux de souffrir sur les pavés, il ne faut pas croire. On est un peu, je sais pas, c'est de l'hystérie. On est fou quand on est là-dessus. Et je vous dis, on sent les jambes, on souffre des jambes, mais on ne le sent pas. Ça passe systématiquement, quoi. Ah, j'étais anxieuse quand même, hein, toujours. Quand tu partais courir, bah, y a quand même le stress, il y a quand même l'anxiété, toujours. Parce que je chutais beaucoup et tout ça, j'étais toujours très... C'est dur, vous savez, c'est pavé, hein. Tous, hein, ils le disent tous. Mais lui, il aimait ça, plus souffrir, ça ne le dérange pas. Hein. Il s'habitue, non, il aime ça. Il aime ça. Mais Paris-Roubaix, c'était Paris-Roubaix, et ça... C'est sacré, hein. Tellement sacré que depuis 1962, l'année où il a raccroché le vélo, il rêve de Paris-Roubaix, même la nuit. Je pédale toutes les nuits. Et j'arrive plus à gagner, j'arrive toujours en haut d'une côte et je n'arrive pas à attraper l'arrivée. Il y a toujours quelqu'un qui revient à ma hauteur et tout ça, c'est... Ou sur le vélodrome, j'arrive pas à finir. Bon, j'ai jamais fini premier, on dirait, mais enfin, ce que j'aurais voulu, c'est finir premier au Paris-Roubaix.